Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul et on est plutôt sur de la couleur hein. Je sais pas si vous remarquez, j'ai pété les plombs. Autant vous dire que ça n'arrive pas souvent hein. Je sais pas ce qui se passe là avec le néon, ça m'a complètement genre... ça m'a ravagé le cerveau hein. Oui voilà. Moi qui normalement ne porte que du gris, blanc, noir, et bien là, bah y a pas tant de noir que ça hein. Mais bon, je pars au soleil et j'ai juste envie de porter de la couleur. J'adore cette tendance néon. J'ai pas vraiment d'explication en soi, je vais faire un petit aparté en revanche au début de cette vidéo, juste pour vous dire que la collection printemps-été de Primark, en tout cas ce qu'ils viennent de mettre, moi je vais au Primark de chez Quartz à Villeneuve-la-Garenne, c'est une folie, j'ai pas les mots, que ce soit aussi bien la tendance néon ou même une tendance un petit peu plus bohème avec des choses en lin, etc. C'est canon, j'ai pas les mots. Donc voilà, même la collection de chez Bershka est ouf. Et je vous avoue, grosse déception côté Zara, j'ai trouvé qu'une seule pièce chez eux. Et je sais pas, après là pour l'instant ils sont encore dans un mood un peu hiver, ils ont pas trop encore mis la collection printemps-été, en tout cas pas en magasin. Donc écoutez, on verra bien, mais un petit peu déçu pour le moment. Donc là je vais vous présenter essentiellement du Bershka et du Primark, et avec une pièce de chez Zara. Voilà, elle est là la pauvre, elle me fait de la peine et elle est solo, toute seule. Et donc comme d'hab, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les montrer là, je vais vous donner les prix, etc. Un petit peu de détails sur les produits, et ensuite je vous les montrerai porter. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on commence. Si vous aimez Léo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas, c'est gratuit, ça fait plaisir, vous pouvez le faire, allez-y, faites-vous plaisir. Et ce que je vous propose c'est qu'on commence. Donc on va commencer par la pièce de chez Zara, et ça commence extrêmement bien. Du coup j'ai pris ce top vert, ça par contre je vais l'essayer avec vous parce que je l'ai toujours pas essayé, en fait je l'ai acheté parce que j'ai craqué dessus, surtout sur la couleur et même le modèle avec les manches et tout. Mais je ne l'ai pas essayé, donc je l'ai pris en taille XS, il m'a coûté 19,95€. Il existe aussi en blanc, je l'aurais bien pris en blanc, mais il est vu ma taille. Si jamais je vois que le vert taille bien, et bah écoutez, je vais acheter le blanc, hein. Mais il n'y a pas ma taille, donc du coup je ne l'ai pas pris, mais j'aime trop cette couleur, le vert est canon. Donc à voir comment ça a remporté, mais je pense que ça ne devrait pas être trop mal. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'unique pièce que j'ai pris chez Zara, donc... on va passer à Primark. Gros coup de cœur pour cette veste de chez Primark, qui est en une matière type lin. Alors à mon avis c'est tout sauf du lin. Écoutez, on va regarder ça ensemble. Il y a quand même 19% de lin hein. Bon, le reste c'est de la viscose, mais il y a quand même 19% de lin, donc d'où l'effet. Voilà, avec des boutons genre en effet bois un peu. Et le bleu est vraiment très très beau. C'est un peu un bleu vert d'eau. Je sais pas trop, ça rend plutôt pas mal à la caméra hein. C'est vraiment la couleur là telle que vous la voyez. Je l'ai pris en 38 tout simplement parce que je compte la porter en robe, parce qu'elle est assez longue comme vous pouvez le voir, en tout cas par rapport à moi. Elle est quand même assez longue et elle se ferme donc avec un bouton. C'est pas mal décolleté, mais c'est totalement l'effet recherché, un peu loose, un peu long, un peu décolleté pour un côté un petit peu sexy, et le côté été dans la matière et dans la couleur. Elle m'a coûté donc 25€, et donc comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en 38, donc voilà, gros coup de cœur pour cette veste là. Et il y avait beaucoup de choses dans cet esprit là, des combi shorts, des robes, des chemises, des pantalons, vraiment j'ai une tuerie, genre la collection Primark, j'ai pas vraiment les mots. Ensuite, énorme coup de cœur. Alors vous allez vous dire, la meuf a totalement pété les plombs quand j'ai pris ça, ma sœur elle m'a dit mais ça va pas. J'ai dit écoute, habitue-toi parce que tu vas passer une semaine avec moi à Dubaï, je vais mettre que des couleurs comme ça. Donc si ça te pique les yeux maintenant, fais attention. Celle-ci je l'ai prise en 40 et en fait c'est juste parce que j'avais pas le choix, c'était la dernière qui restait et j'ai eu un gros coup de cœur, donc je me suis dit c'est pas grave, ça fera loose, ça fera ample, et au pire je la ceinturerai, elle est pas très très longue. Donc elle m'a coûté 19€, la couleur est ultra canon sur un look full black, full white. Bref, écoutez, de toute façon venez me suivre sur Instagram CindyDSLV parce que je vais vous faire plein de looks avec ce que je suis en train de vous montrer. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien, on se retrouve là-bas. Ensuite, j'ai pris, et alors là, je vais vous montrer parce que c'est un ensemble. Donc là, toujours plus de fluo, je sais. La veste rose, comme ça, crop, donc elle est courte. Je l'ai pris en 34, elle m'a coûté 17€. Le rose est canon. Et alors ça, juste avec un espèce de petit bandeau blanc ou que sais-je, un body blanc en dessous ou j'en sais rien. Bref, j'y ai pas encore vraiment réfléchi. Eh bien, je pense que ça va être pas mal du tout avec une petite paire de baskets. Et donc le short taille haute que j'ai pris en taille 34, il taille extrêmement bien. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pris en blanc et en vert également. Donc c'est le même modèle que celui-ci. Et si j'ai craqué sur autant de couleurs, c'est parce que 1, les couleurs sont canon, et 2, il taille extrêmement bien.
ce qui est quand même assez rare chez Primark. Et pour moi en général, en termes de jeans, shorts, etc., je galère beaucoup, surtout au niveau de la taille. Ils sont tout le temps 30 fois trop grands. Je voulais dire 3 fois trop grand, mais c'est 30 qui est sorti, donc écoutez, on va dire 30 fois trop grand. Donc du coup, ce petit ensemble très sympa. Donc la veste 17€ et je l'ai pris en 34. Et les shorts, c'est 10€, non 13€, autant pour moi. Ils sont à 13€ chacun, donc je l'ai pris en blanc et je l'ai aussi pris en jaune fluo vert. Voilà, donc ça, gros gros coup de cœur chez Primark. Et je crois que chez Primark on a fait le tour. Ah non, autant pour moi. Chez Primark j'ai pris aussi cette ceinture là, donc avec une boucle un peu en... Nekai. Et là on est plutôt sur un autre type de look, c'est plus pour nouer autour d'une ceinture. Autour d'une ceinture, oui, on va nouer une ceinture autour d'une ceinture, mais ça va pas Cindy. Pour nouer autour d'une chemise un peu loose, blanche, avec des petites espadrilles ou que sais-je. Bref, pour un look un peu plus chill, vacances, bohème, etc. Donc cette ceinture est canon, je l'ai payée 6€ chez Primark. Voilà, il y a pas mal de tailles en plus. Moi je l'ai pris en M pour être sûre qu'elle puisse retomber un peu sur le côté. Et ensuite j'ai pris ce sac, tellement tellement mignon les gars. Et alors la grosse blague du siècle, c'est qu'alors ce sac là je l'ai payé 12€ chez Primark. Voilà, donc on est d'accord. Si vous aimez ce type de sac, il est quand même ultra canon, il est hyper quali, vraiment. Et vous avez en plus de ça, c'est ce que j'essayais de faire, vous pouvez l'ouvrir et vous avez une anse comme ça. Donc en plus de ça, voilà. Il est hyper canon, j'ai pas les mots. Exactement le même, mais genre le même. 29€ chez Stradivarius. J'aimerais bien qu'on arrête de le prendre pour les petits cons, parce que là, ça va aller 2 minutes. Donc voilà, si jamais vous faites pas avoir et l'achetez pas à 30 balles chez Stradivarius, ça sert à rien. Il est chez Primark, il est hyper quali, il est canon. Voilà. Donc ça, c'est un petit sac. D'ailleurs, en parlant de Stradivarius, je vais vous montrer ça rapidement. Je l'ai pris essentiellement pour un seul des bracelets. C'est... Oh, attendez, je vais me rapprocher pour vous montrer. J'ai pris ce pack-là uniquement pour le bracelet avec les coquillages là. Parce que je le trouve hyper canon et j'ai totalement l'intention de le mettre à ma cheville. Voilà. Mais écoutez, les autres, je pense que je pourrais les mettre quand même. Je sais pas si c'est un bracelet aussi. Donc voilà, le pack m'a coûté 7,99€. C'était vraiment juste pour le bracelet avec le... les coquillages pour mettre à la cheville. Donc voilà. Et donc ça c'est pour Primark, Zara et Stradivarius. Chez Stradivarius aussi j'ai juste pris les bijoux. Et on va passer à Bershka. Vous savez que moi Bershka c'est toute ma vie. Et alors là et ben, je suis toujours pas déçue. Voilà, j'ai jamais été déçue de Bershka. C'est quand même incroyable de jamais avoir été déçue par une marque. Genre Zara j'ai déjà été déçue, H&M n'en parlons pas. Mais Bershka pas encore. Donc écoutez, j'ai pris j'ai pris du coup cette combinaison qui est quand même hyper canon. Alors tout le monde va pas aimer, alors ça je peux totalement comprendre, mais moi j'adore. Donc c'est vert fluo, c'est en fait comme si vous portiez un cycliste avec un top un peu crop parce que c'est coupé du coup au niveau du ventre. Et j'ai totalement l'intention de porter ça, alors à voir hein, si ça se confirme, mais dans mon idée c'était de porter ça pour aller dans le désert à Dubaï avec genre une paire de baskets et une banane. Donc à voir si j'arrive à faire un look sympa avec ça, mais sinon c'est grave canon. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé, elle existe aussi en noir. Elle m'a coûté 15,99€ et je l'ai pris en XS, ça taille relativement bien. De toute façon Bershka j'ai jamais trop de problèmes de taille, d'ailleurs il n'y a que chez eux que je trouve des jeans, donc voilà. Ensuite j'ai pris Céola, je dis c'est parce que je l'ai aussi pris en noir et il existe en crème d'ailleurs. Donc c'est des hauts complètement transparents, ça potentiellement ce serait pour mettre au dessus d'un maillot de bain que j'ai acheté de la même couleur, donc à voir. Je l'ai pris du coup en S et il m'a coûté 12,99€. Je crois que le noir il est en M, mais c'est parce qu'il n'y avait plus de S en fait, tout simplement. Mais voilà, je les trouve vraiment canon, même avec une petite brassière en dentelle ou quoi, ou avec un bandeau en dessous. C'est quand même pas mal. Et puis bon, c'est un manche longue, mais bon, c'est tout troué, donc ça va tenir chaud. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris justement une. C'est un top en fait, bandeau. Jaune fluo comme ça, je l'ai pris en XS et il a coûté 7,99€, donc voilà, c'est juste parce que je l'aimais bien, je me suis dit ah, pourquoi pas avec genre le short blanc par exemple, ou j'en sais rien, pour sortir avec un pantalon un peu habillé, voilà. Écoutez, de toute façon, j'ai pas tous les looks en tête avec tout ce que j'ai acheté, mais ça ne serait ça ne se serait tardé. Vous savez quoi, vous avez compris, on va pas aller plus loin dans cette phrase parce que ça ne va pas. Bref, vous verrez sur Instagram les looks que j'ai en tête du coup.
J'ai pris cette merveille et alors, je l'ai essayée, elle est incroyablement sexy, on va pas se mentir. Le cuir, comment elle est coupée, avec la ceinture, vraiment le rendu est assez incroyable. Hein, dedans, on se sent bien, moi je me sens bien dedans. Alors par contre, j'ai pas l'étiquette, combien j'ai payé ça? Je crois que je l'ai payé soit 29€, soit 39€, je ne sais plus. Mais c'est une petite folie, donc c'est une petite robe en simili cuir avec donc une grande fermeture tout du long. Il y a 3 poches, une en haut et deux en bas. Et vous pouvez mettre, même pour casser le côté un peu sexy, vous pouvez mettre une chemise en dessous, vous pouvez mettre un top, genre un t-shirt, tout simple. Une paire de baskets, ça casse complètement la robe. Moi personnellement j'ai quand même l'intention de la porter de deux manières en fait. De la porter et à la fois sexy peut-être avec une paire de talons et juste la robe. Et à la fois un peu cassée avec genre une paire de baskets, un top en dessous, genre un t-shirt blanc basique. Voilà. Mais je la trouvais extrêmement belle. Donc ça vient de chez Bershka aussi. Et ensuite chez Bershka j'ai pris un maillot de bain, une pièce comme ça, qui m'a coûté 19,99€. Je l'ai pris en taille S. Il est extrêmement bien coupé derrière, ce qui est rare, surtout dans des marques comme Bershka, Stradivarius, H&M et tout et compagnie. Savez quoi les gars, je vais pas m'en sortir là, je sais pas, mon cerveau il a envie de dire des mots que moi-même j'ai pas envie de les dire, mais ça sort tout seul. C'est assez rare d'avoir des coupes comme ça, généralement on a des bonnes grosses culottes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là j'étais assez surprise et je voulais absolument un maillot de bain, une pièce avec des bretelles assez fines comme ça et le dos complètement ouvert. Seul petit bémol, les bretelles sont un peu longues et elles ne se règlent pas, donc du coup je vais devoir les couper et les recoudre en fait pour les... serrer un petit peu plus parce que sinon elle tombe, c'est pas très pratique. Donc voilà, ce petit maillot de bain très sympathique. Et ensuite j'ai pris deux paires de chaussures, toujours de chez Bershka. Et alors c'est les mêmes sauf que la couleur change et la taille aussi, parce que dans les blanches il n'y avait plus ma taille, mais je les voulais absolument, donc j'ai pris le 37. Mais il n'y a pas une énorme diff, vraiment j'aurais pu même prendre du 37 pour les deux, mais voilà, il y avait ma taille dans les jaunes. Oh là, j'aime pas quand ça tombe. Les jaunes comme ça, c'est pas possible. On va pas y arriver, putain. Les jaunes comme ça, je les ai prises. Je me suis fait mal en plus. Les jaunes comme ça, je les ai prises pour les mettre avec mon long t-shirt Tommy Hilfiger. Hilfiger, je sais pas comment on prononce cette marque. Ne me jugez pas. C'est un long t-shirt jaune où il y a écrit le nom de la marque dessus. Voilà, que je ne dirai plus, hein, c'est mort parce que vous allez vous moquer de moi. Je l'ai totalement surtaillé, je l'ai pris en L justement pour pouvoir le porter en robe. Et donc du coup j'ai pris ces chaussures là pour aller avec. Donc là on sera sur un look full néon jaune en fait. Et donc ces chaussures sont hyper canon, le talon est incroyable et donc elles sont transparentes. Elles m'ont coûté 39,99€ et donc comme je vous disais je les ai aussi pris en blanche. Alors les blanches, regardez-moi cette merveille. Donc elles sont complètement transparentes, ça fait un peu comme si vous portiez pas de chaussures en fait quand vous les mettez. Surtout que voilà, sur ce modèle-là ils ont vraiment joué le jeu de la transparence absolument partout, que ce soit sur le talon ou même sur ce qui entoure votre cheville. Donc vraiment chapeau les gars. Archi choquée que Bershka propose ça, enfin... pas choquée parce que ça leur ressemble totalement en termes d'image et de ce qu'ils ont l'habitude de proposer, ils sont hyper tendance et c'est pour ça que je les adore aussi. Mais ça je m'attendais pas du tout, enfin ça... Enfin pour moi c'est sur des sites américains que tu trouves ce genre de choses, ou alors sur Boo, des choses comme ça, mais pas chez Bershka en magasin quoi. Enfin bref, en tout cas j'étais ravie parce que je les trouve hyper canon. Donc voilà, pareil, 39,99€ et je les adore. Merci Bershka, je vous aime. Écoutez les gars, je vous ai tout montré. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer tout ça porté. Donc on va se donner rendez-vous dans ma chambre comme d'habitude et je vais vous montrer toutes ces petites merveilles. Et bien porté ma foi, hein, voilà, on est plutôt sur de l'humour. Merci Cindy. Donc on est parti, je vais commencer avec la veste verte de chez Primark. Donc voilà, elle est ultra canon, j'aime beaucoup pour porter avec des petites baskets. Je trouve ça vraiment cool et j'aime trop la couleur. Rien qu'une tenue basique avec la veste, ça devient tout de suite plus tendance. Donc voilà, donc ça c'est pour la veste de chez Primark. Donc ça c'est le haut vert de chez Zara, à voir si vous préférez le porter donc de cette manière là. Il taille assez bien au niveau de là, il serre quand même bien le ventre en fait. Et je le pense un peu plus décolleté mais pas du tout, donc écoutez très bien. À voir si vous préférez mettre les manches comme ça ou les faire tomber, c'est vraiment comme vous voulez. Mais il est canon et du coup c'est sûr je vais l'acheter en blanc. C'est plutôt une bonne surprise ce top, je l'aime beaucoup. Donc voilà, en plus je l'avais pas essayé, donc maintenant c'est chose faite et je sais que je vais le garder. Pour le top noir de chez Bershka, donc voilà j'ai mis une petite brassière en dessous. Il est canon, il est pas trop long. Et encore celui-là c'est celui que j'ai pris en M, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et je pense qu'à la fois ça peut faire un haut un peu décontracté et à la fois ça peut faire un haut un peu travaillé pour une soirée et tout, ça dépend de quoi vous le mettez en fait. Mais il est canon.
Ensuite donc le bandeau Bershka, donc jaune fluo, je vais vous le montrer avec le top jaune au-dessus, mais vous pouvez totalement le porter comme ça, enfin moi je pense que je peux totalement le porter comme ça. Après faut pas avoir peur qu'on voit ses tétons, hein, mais moi c'est pas un truc qui me pose un problème. Donc voilà, écoutez, il est comme ça et je vais vous montrer avec le même top que le noir mais en jaune par-dessus. Comme celui-ci, et en S il est un peu plus court que le noir, mais vous voyez avec le bandeau en dessous ça fait aussi très bien l'affaire, c'est très joli, donc à voir comment je le porterai, mais je pourrais totalement le porter comme ça aussi, je trouve ça canon. Donc voilà, donc ça c'était pour le petit haut, enfin les petits hauts de chez Bershka. Ensuite donc voilà, ça c'est le blazer de chez Primark en lin, donc forcément à porter avec des talons, là je suis pieds nus, mais vous voyez c'est donc très décolleté, assez loose, mais c'est totalement l'effet que moi je voulais, donc je suis archi fan. Et puis voilà, c'est pas trop court derrière, vous voyez c'est quand même pas mal, donc ça peut vraiment faire office de robe, c'est pour ça que je l'ai surtaillé. Je suis ravie du résultat, je trouve ça vraiment trop beau, cette couleur est incroyable, genre bronzé ça. Donc là on est sur le look full rose de chez Primark, donc avec le short et la veste, donc vous voyez elle est crop la veste. Ce qui est bien c'est qu'on peut totalement dissocier les deux, porter la veste toute seule ou le short tout seul. Là j'ai mis un t-shirt blanc en dessous, à voir comment je compte réellement porter cette tenue. Mais voilà, et donc vous voyez le short, j'aurais pu même le prendre en 32 je pense, mais je préfère être un peu plus à l'aise dans mes shorts, et donc ils sont hyper bien taillés, vraiment. Donc je vais pas vous essayer le vert et le blanc, juste je vous le montre, c'est vraiment les mêmes. Donc voilà, au niveau de la coupe ils sont parfaits, et ce petit ensemble je l'aime beaucoup trop, oui, ou même juste fermé avec rien en dessous. Et enfin bref, je sais pas, je verrai, mais je suis trop fan. Et donc ça c'est la combi verte de chez Bershka, donc vous voyez comme je vous disais ça donne vraiment l'impression d'avoir un top et un cycliste. Ça taille quand même très très bien et on est carrément à l'aise dedans. Et je sais pas si je vais pas la prendre en noir aussi, enfin bref, en tout cas en vert c'est hyper canon. Donc voilà, ça c'est pour l'ensemble Bershka, je sais que ça tout le monde va pas aimer, mais moi j'adore, donc c'est le principal. Et on termine sur la robe Bershka, donc voilà, comme je vous disais, moi je trouve que c'est quand même ultra sexy, je la trouve vraiment très très belle. Vous pouvez la fermer jusqu'en haut, mettre un t-shirt en dessous, la casser complètement, ou la laisser, je vais pas y arriver, ou la laisser un petit peu ouverte, mais elle est carrément canon. Donc voilà, écoutez les gars, j'espère que ce haul vous aura plu, et puis je vais vous laisser là, je vous fais plein d'énormes bisous, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!